C'est en Espagne aujourd'hui que je vous propose de suivre une de nos expéditions. On est sur le massif de Tortosa de Beceite, à 200 km au sud de Barcelone. On va chasser le bouquetin et c'est avec Benoît que je vous propose de suivre cette aventure. On est sur un massif qui fait environ 30 000 hectares. C'est simplement grandiose et je pense que la chasse va y être très intéressante. En tout cas, je vous propose de découvrir tout ça dans les images qui vont suivre. Bon, voilà, on est arrivé sur la zone. Franchement, c'est pas loin de la France du tout. En fait, on s'aperçoit, le voyage est vraiment rapide parce que c'est 3 heures au sud de Barcelone, donc c'est vraiment proche de la frontière. Et on est tout de suite dépaysé dans ce massif très calcaire là, de Tortosa Beceite, qui est magnifique à chasser, avec l'emblème de Beceite que les Espagnols ont passé à nous mettre dans la petite montée. Donc c'est quand même sympa, c'est un petit clin d'œil pour les chasseurs. Tendrá 11 o 12 años. 11 o 12 años. Il est coffré. Bien. Ok. Il est coffré et c'est de... J'ai vu partir dans le bois. Il est coffré, la balle elle est un tout petit peu centrée, mais c'est parfait. Ouais, il sort. Il sort où? Il sort. Où ça? Il sort sous le pain là-bas. Quel pain? Regarde, là. Ah, c'est pas gelé. Yes, je l'ai. Il est sorti. Écoute, c'est quand tu veux. Content. Ah, cette fois-ci, il y est comme il faut. Il est bon ton pédal, hein. Il est bon ton pédal. Apparemment, oui, il s'est couché. Debe dar mucho sangre, ce macho. Debe dar mucho sangre. On va voir beaucoup de sang, mais effectivement, il y a normalement, d'après ce que tu as vu, il y a les deux balles dedans. Effectivement, la première balle, déjà, on voit déjà un bon paquet de viscères qui lui sort. Bon, il marchait tête basse. Il est rentré dans le bois. Ouais, la deuxième balle, elle est parfaite aussi. Il y a un joli tir, non? Ouais, il y a un joli tir. Il y avait 316. Facile, Benoît, comment tu t'en sors, là? Ben ouais, c'est vrai que c'était pas évident de se caler sur ce rocher, là. Il n'y a pas beaucoup de place. Et finalement, j'ai réussi à trouver un bon calage, là, en bloquant bien ma lunette, comme ça. Donc, premier Beceite de Tortosa. On est à 3 heures au sud de Barcelone, là. Dans ces montagnes qui sont toutes calcaires avec un biotope très, très méditerranéen, mais qui est très sympa à chasser parce qu'il y a plein de petits gouffres, de petites vallées. Pour jumeler et chasser l'ibex là dans ces conditions, c'est très sympa. Il est très beau, mais il fait très froid. Et tant mieux parce qu'il y a deux jours en arrière, il devait faire au moins 30 ici, d'après ce que dit le garde. Donc on a des bonnes conditions, c'est pour ça que d'ailleurs les animaux sont dehors en plein soleil. Quoi. Ce matin, on en voit un peu partout. Ouais, il y a une bonne activité. Hein. Ça veut dire qu'il y est. Il a fait quoi? Il a fait 100 mètres. Même pas. Super balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je peux vous dire qu'on a des sacrés bons guides de chasse parce que... Merci. Il nous avait annoncé 12 ans. Je te cambierais la... Il avait annoncé 11-12. Las piernas te cambiaría a ti. Las piernas piernas le cambiaría. Las mías por las del. Ah, il dit je vais changer tes jambes comme tradition.
Il t'a vu crapahuter, il a dit Anthony, c'est une vraie chèvre des montagnes. Javier Matao es un selectivo de 12 años, que es lo que veníamos buscando, además es un macho típico de los de aquí de Beceite. C'est la forme vraiment typique. La forme de la cuerna, esto es típico de aquí. En otras reservas de España, estos machos así abiertos no están. Typique de Beceite, évidemment, il est content d'avoir tué un mâle de presque 12 ans, même 12 ans. Et surtout, tan bonito de pelo, que empieza el celo. Une belle peau, une belle fourrure. Et il me disait qu'il était content de l'avoir tiré dans ce secteur-là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient ici, apparemment. Et il m'a dit, c'est ça aussi qui est beau, c'est de vouloir tirer un Beceite dans ces gorges-là, dans ces conditions-là, parce qu'apparemment, il ne le fait pas souvent avec les clients. Donc, il est content. Le garde est content. Et moi aussi. Pour cette expédition, on s'est donné rendez-vous en Espagne à la chasse du bouquetin Beceite. Voilà, de nouveau encore accompagné de mon ami Benoît Noël. On a fait vraiment une super chasse ce matin. On a prélevé un super bouc de 12 ans. Voilà, dans un biotope et dans un cadre absolument extraordinaire, la chasse était simplement magique.